existe, disait. Oh, du rien. RANGEI, siège 2, avec François Marchesseau. Qui c'est qui claque des doigts donc sur ce morceau? Je pense que c'est la première fois que je pose la question, François. Est-ce toi? Non, ce n'est pas moi et je ne le claquerai pas si bien que ça. Je te dis que ça y va sur le claquage. Oui. Mesdames, Messieurs, François Marchesseau vient encore une fois nous donner envie, nous rappeler la nécessité de sortir de chez nous puis d'aller vers la chanson. Important. Hein? Très important. Mm. Et je commence avec une petite histoire, Monique, si tu veux bien. Oui. J'ai 13 ans. Oh. J'ai 13 ans et je tu suis... Tu ne les fais pas, excuse-moi. Non, non. J'ai 13 ans, je suis couché dans mon lit avec des gros écouteurs sur les oreilles mm-hmm. et j'écoute de la musique avant de m'endormir. Mm-hmm. Et j'écoute CISM, qui est la radio universitaire de Montréal. Et j'écoute une émission qui s'intitule à l'époque « L'ange vagabond ». Oui. Et j'écoute ça. Et je sais pas quelle heure il est, mais bon, avant de m'endormir. Et la pièce que l'on vient d'entendre, c'est « Je te disais, reviens ». Commence. Et à ce moment-là, Monique, j'ai 13 ans et je me dis, on peut chanter en français. Et ça a commencé avec cette chanson-là de ça Luc alors. De la Rochelière. Dis donc, toi. Oui, effectivement. Je parle souvent de Daniel Bélanger qui est venu juste après, en fait. Oui, qui, mais à mon oreille, c'est cette chanson-là où tout a commencé. Moi, c'est la Complaine du Phoque en Alaska, quelques années avant. Ça explique un peu notre différence d'âge. Ouais, mais je comprends très bien. Ouais, j'avais des frissons juste en l'entendant. Ben oui. Encore aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Ouais. Grand artiste que ce Luc de la Rochelière. Oui, et je vais vous en parler justement. Et j'ai repris la route, Monique. Ça faisait un petit bout quand même cette année. Je suis allé plus dans la région de Montréal. Je vous ai parlé de quelques lieux. Ouais, c'était l'hiver aussi. Automne, oui. Il faut dire la vérité, franchement. Mais là, pour aller voir Luc de la Rochelière, je me suis rendu à Richemont en Estrie, dans un lieu qui s'appelle le Centre d'art de Richemont. Donc, en Estrie, c'est entre Drummondville et Sherbrooke. Un lieu vraiment magnifique. C'est un ancien couvent là-bas. C'est un lieu hyper important parce que Richemont n'est pas une très grande ville. Hein. C'est moins que de 5000 habitants. Et je me suis rendu là. Et c'est un lieu vraiment, c'est immense. Il y a une école de musique à l'intérieur de ça. Il y a une galerie d'art. Donc, c'est un lieu important pour la région. Et donc, le Centre d'art de Richemont, qui est mené par une toute jeune directrice générale qui s'appelle Vicky Lassonde, que je salue parce qu'elle accueille les gens vraiment de façon extraordinaire. Et ces lieux-là sont menés surtout par des bénévoles et aussi les bénévoles dévoués qui aiment les arts, qui aiment la chanson. Donc, un lieu important là-bas. Des passionnés. Luc de la Rochelière, donc, lançait sa tournée. C'était le tout premier spectacle de sa tournée Autre Monde. Il devait être content qu'il y ait un garçon dans la salle qui était là pour en parler à la radio. Oui. C'était le premier spectacle. Oui, puis je me suis rendu compte, Monique, que les trois derniers albums de Luc de la Rochelière sont peut-être, à mon goût à moi, ses meilleurs albums qu'il a fait. Et c'est une méchante carrière, là. On parle des années 90 à aujourd'hui. Et pourtant, il réussit aujourd'hui à faire des albums extraordinaires. Autre Monde, son dernier, est fantastique. Et Un Toit dans ma tête aussi. Et celui avec Andrea Lindsay, que moi, j'avais adoré, qu'on n'a pas parlé tant que ça, mais qui est un album vraiment extraordinaire. Et donc, il arrive sur scène, Luc, avec ses musiciens, Étienne Ratté au violoncelle. Ça apporte vraiment une dimension extraordinaire à ses chansons, Jean-François de Bellefeuille au clavier et l'extraordinaire José Major à la batterie. À la batterie. Oui, donc des arrangements vraiment magnifiques pour ces albums-là, surtout dans les chansons, mais ça apporte aussi, ça rehausse ces chansons qui datent des années 90, justement, avec un son beaucoup plus actuel. Et je regardais Luc de la Rochelière pendant le spectacle et je me suis dit, c'est probablement le meilleur parolier qu'on a présentement au Québec, en tout cas l'un des meilleurs présentement au Québec. Il y a une vision. Réécouter ces chansons sont intemporelles. Réécouter Amère America, qui a été écrit en 88, Sauver mon âme et Cache City, je faisais remarquer à Luc combien cette chanson-là, moi, me fait penser
à Facebook. Ça a été écrit en 1990 et tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Oui, 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 c'est vrai. Il l'avait pas vu comme ça, Luc, mais vraiment, il réussit à écrire des chansons. Puis Un toit dans ma tête, il y a une pièce sur Un toit dans ma tête qui s'appelle Les murs. Vous écouterez ça. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Oui, oui. Les artistes sont des visionnaires parfois. C'est un visionnaire, vraiment un visionnaire. Relisez la trame de Starmania, mesdames, messieurs. Là. Allez, souvenez-vous du synopsis au-delà des chansons. c'est vrai, mais Luc, et j'ai eu la chance de lui dire ça. J'ai eu la chance, et je vous le dis parfois, Monique, je dis aux gens d'aller rencontrer les artistes et dites-leur combien les chansons vous ont touché. Je lui ai raconté mon histoire, que pourquoi aujourd'hui je réussis à faire ce que je fais, c'est grâce à lui, entre autres. C'est marquant ce qu'ils font et ce qu'ils font dans les salles. Et donc, je vais donner tout de suite les dates, Monique, du spectacle. Parce que je veux faire terminer ma chronique avec quelque chose de particulier. Luc, ça commence cette tournée. Donc, le 13 avril, le Théâtre du Petit Champlain à Québec. Le 2 novembre, salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Centre d'art Richemont aussi, centredartrichemont.ca. Il y aura le 3 mars, Corias. Le 22 avril, la très talentueuse Joëlle Saint-Pierre. Si vous passez dans le coin là-bas, en Estrie, allez là. Et je voulais te laisser, Monique, avec une chanson qui, sur l'album Autre Monde, m'avait pas nécessairement marqué. Et là, quand il a fait cette chanson-là sur scène, Luc, ça s'intitule « L'avenir du monde ». Et je veux te donner un extrait de de ces paroles-là, si tu le veux bien. Ouais. « Pendant que tout s'enflamme, pendant que tout explose et qu'on s'écrit des drames, qu'on s'envoie dans les roses, en cherchant un sens, dans le sang, et les cendres, à l'avenir du monde, l'avenir du monde est dans ton ventre, est dans le ventre d'une femme. » C'est une chanson qui, comme je te dis, sur scène, ça m'a rentré dedans. La plupart des chansons de Luc m'ont rentré dedans sur scène beaucoup plus que sur disque. Et pourtant, sur disque, déjà, comme je te dis, les trois derniers disques sont des disques extraordinaires. Un toit dans ma tête l'est, mais Un autre monde est un disque essentiel. Et j'avais envie de te dire, en terminant, Monique, que ce spectacle-là qui commence, et je vous disais, allez-y, parce que c'est un spectacle vraiment essentiel, d'un artiste essentiel qui peut... Je continue de penser que les artistes peuvent changer le monde, et Luc de la Rochelière peut le faire, je pense, avec ses chansons et ses textes. Eh ben dis donc, Luc, si tu nous écoutes, merci beaucoup, François Marceau. C'est un grand plaisir, Monique. Merci beaucoup. Il n'est ni dans les livres, la télé, les journaux, ni dans les lignes d'une main, dans les cartes de tarot, ou dans les statistiques d'un expert diplômé. Avenir du monde. L'avenir du monde est dans ton ventre, et dans le ventre du comme celle-là qu'on délaisse, qu'on diminue en somme, qui aux yeux de certains ne valent jamais un homme. L'avenir du monde est dans